L'incroyable circuit de Monaco sera-t-il un juge de paix pour notre Formule France? Bienvenue à Monte Carlo, on va voir tout de suite ce que donnent les premiers tours de roue avec la Q1 qui s'annonce déjà comme un beau challenge. Allez, le premier tour chronométré sur ce circuit de Monaco. On s'élance pour la Q1. Après de très beaux résultats en essai libre, on a quasiment glané 1000 points en R&D. Je change un petit peu ma manière d'aborder les phases de R&D. Du coup, ça m'a permis de gagner un petit peu. Peut-être pas remettre au neutre quand même dans Mirabeau. Alors, est-ce que ça passe au niveau de l'épingle avec le setup? Ouais, plutôt pas mal même. Plutôt pas mal. Le portier n'est pas trop gourmand. Ouais, ça passe. Pour la première fois dans le tunnel. Alors oui, j'ai réussi mes essais libres. J'estime avoir fait un bon week-end. Malgré le fait que la voiture n'est pas censée être à l'aise sur ce genre de tracé. Maintenant, on va voir ce que nous réserve la suite de ce Grand Prix. Sincèrement, la Q2 serait un miracle. On va essayer d'enchaîner un deuxième tour. Ma trajectoire était loin d'être l'idéal dans pas mal de virages. Alors, premier tour chrono. On n'est pas si ridicule que ça. Max Verstappen, le plus rapide à la maison, puisqu'il est résident monégasque depuis peu de temps. Par contre, l'écart avec Russell et Sainz est identique, 7 millième. Ça, c'est plutôt sympa. Et quant à nous, eh bien, c'est la bonne surprise du jour. Allez, on est en Q2, encore une fois. C'est pas mal. Par contre, trois pilotes se sont plantés, Ricardo, Tsunoda et Hamilton. C'est ce qui a fait que justement on a pu accéder à cette Q2. On va essayer d'en profiter parce qu'autour de nous, il y a quand même pas mal de nos adversaires comme Latifi, Stroll, Albon ou Vettel. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire dans cette Q2. Je pense qu'on va vraiment tenter de faire un chrono entendre pour la forme. Deuxième séance qualificative de ce Grand Prix de Monaco. Allez, c'est parti. Tenter de faire les choses comme il le faut. Une As qui sortait des stands au moment où on est passé. Allez, dans Mirabeau, on est un peu en sous-virage, mais ça va en vrai. L'épingle, ça se passe bien. Et on passe bien aussi au niveau du portier. Allez, c'est pas mal. C'est un tour pour l'instant qui est relativement honorable. On n'aura sans doute pas la Q3. On s'est un peu loupé là à l'entrée de la chicane. On perd du temps. On a perdu beaucoup de temps dans l'entrée de la chicane. On passe beaucoup plus vite la piscine. Oh, j'ai un freinage qui est très tangent. Allez, on passe la Rascasse, Anthony Nogues. Oh putain, on est en sous-virage partout, c'est un cauchemar. Cette auto. Meilleur tour pour l'instant, mais c'est le début de la séance. Le miracle n'aura pas eu lieu, on va donc se retrouver en 14e position sur la grille de départ avec Leclerc et Sainz qui sont en Q3 sans grosses difficultés. Par contre, Russell et Joe sont partis dans le mur. Donc voilà pour cette séance où on finit finalement 14e. On a usé les pneus, c'était pas vraiment utile, mais on est toujours devant Joe et Russell. Une véritable course sur route au sens premier du terme. C'est ainsi que Graham Hill, le légendaire pilote britannique, décrivait cette épreuve mythique du calendrier. Si les monoplaces ont beaucoup évolué au cours des 50 dernières années, la course ici se déroule toujours sur une route publique face à la Méditerranée et aucune autre victoire n'est aussi convoitée que celle du Grand Prix de Monaco. Nous voici de retour sur la French Riviera et son circuit de Monaco long de 3,2 km. Du premier virage, les monoplaces montent sur 40 mètres jusqu'au casino, puis redescendent vers le port dans le deuxième secteur. Lorsque l'on part en pôle ici, le premier des 19 virages n'est qu'à quelques mètres et il est peu probable que l'on assiste à de nombreux dépassements aujourd'hui. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas.
Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Sainz, Pérez, Valtteri Bottas et Norris, Fernando Alonso, Magnussen, Gasly et Lance Stroll, Vettel, Albon, Nicolas Latifi, Lombardi, Zhou, Russell, Esteban Ocon et Mick Schumacher, Théo Pourchaire, Ricciardo, Tsunoda et pour finir, Lewis Hamilton en queue de peloton. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. C'est une nouvelle course qui débute et je vais avoir le plaisir de la commenter aux côtés de Nicolas Martin. Nicolas, les pilotes ont une journée éprouvante qui les attend. Qu'allez-vous observer lorsqu'ils se jetteront vers le premier virage? Le départ d'une course est toujours la partie la plus éprouvante pour les nerfs. On espère toujours que tout le monde réussira un départ propre. C'est probablement la partie la plus dangereuse d'une course. Autant de pilotes dans un si petit espace. Le fait qu'il n'y ait pas plus d'accidents prouve bien le talent des pilotes. Clutch bright is good. Gearbox is responding normally. Make sure to warm up the tires and brakes. Warm the tires and brakes throughout the lap, please. On pourra prier Sandevot cet après-midi dans la principauté parce que, oh là là, qu'il va s'en passer des choses, je le sens bien. Ce Grand Prix va être bouillant et je sais pas, il y a peut-être une odeur de stratégie improbable. En tout cas, nous, on pourra faire cette boucle avant de tomber sous la fenêtre de fonctionnement des tendres. Alors, pas de pluie attendue, ça fait du bien. Une saison pour l'instant plutôt calme au niveau météo. Vous allez voir qu'à Bakou, il va faire... moins 10 avec ce que je viens de dire. Et surtout, on a une voiture qui n'est pas si ridicule que ça à la régulière. Donc on va voir ce qu'on peut faire. On est bien sûr au-dessus par rapport à Théo Pourchaire. On est devant Esteban Ocon. La surprise, c'est évidemment les Mercedes qui sont toutes les deux derrière nous. Russell, 16e, en grande difficulté. Et Lewis Hamilton, bon dernier, avec des pénalités et surtout une sortie de piste lors de la Q1 qui l'a empêché d'aller signer un chrono et donc de se hisser en Q2. Tous ces éléments mis bout à bout nous permettent eh bien, à nous d'accéder à la Q2 sans espoir de beaucoup mieux, il faut être honnête. On a gagné allez, deux places, mais c'est deux places qu'on ne devra pas gagner sur la piste. Donc on verra, on part du côté extérieur aussi de Sainte-Dévote, donc ça va être compliqué de se faufiler sans casser quoi que ce soit. Et on va, je crois, hein, sans trop m'avancer, avoir droit peut-être une ou deux safety cars devant le duel. Ferrari Red Bull continue, on n'y est pour l'instant absolument pas mêlé. On va surtout essayer de bien positionner la voiture puisqu'on a le choix désormais de bien mettre l'auto sur la grille. Donc on va essayer de le faire pour partir eh bien, un petit peu dans l'axe puisque c'est désormais possible pour le jeu. Ah, on a été trop loin! Allez, les 22 monoplaces sont installées sur la grille. Le départ très rapide de ce Grand Prix de Monaco est donné, 7ème manche de la saison. On s'échappe de la grille de départ, on essaie de se faufiler autant que possible. Ouais, on peut prendre une Williams, c'est déjà un bon départ. Allez, on n'est pas trop mal parti pour le moment. Attention à Vettel, qu'on peut peut-être essayer de passer, non, pas ici. Freinage à Mirabeau, à des endroits où on peut tenter quelque chose. On va se mettre à hauteur de l'Aston Martin. On laisse la place évidemment. Et Vettel qui lâche intelligemment. On prend deux positions. Départ particulièrement réussi. Hein. C'était inespéré. On n'a rien cassé. Du moins pour le moment. Et on est donc derrière Alexander Albon, le Thaïlandais, et sa Williams. Un moteur Mercedes qu'on pourrait challenger. 12e position. Je vous avais dit que la Q2 était importante. Elle déterminait justement cette position de départ. Et on peut donc espérer avec l'effet de course maintenant peut-être toujours marquer ces satanés points qui nous sont jamais promis. Attention, le vibreur de la piscine. Oh là là, c'est vraiment... Ah là 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 là, c'est vraiment dommage ça. Hein. C'est tellement sensible au niveau de la fragilité de la voiture. Premier tour couvert. On est dans les échappements. Alexander Albon, on va vite se mettre l'état global de la voiture et surtout l'état des pneus.
à la relance, on n'est pas trop ridicule par rapport au moteur Mercedes. J'ai pas encore le courage de dive à l'intérieur à la chicane du port. On va laisser la course s'installer avant de prendre de tels risques. Par contre, on est clairement plus vite dans la piscine. Secteur que j'ai toujours adoré hein, depuis des années. Je m'y sens comme un poisson dans l'eau. Et nouveau meilleur tour pour Verstappen, c'est logique. Le leader de la course. Alors, on va avoir droit au DRS. Il n'y a pas vraiment être un atout puisqu'on ne peut pas en profiter devant les stands. Vraiment au niveau stratégique, il faudra faire les choses comme il le faut. J'ai vraiment le sentiment que un freinage comme Mirabeau, je peux faire la différence, ou même à la chicane du port. Mais j'ai pas envie de tout gâcher. Déjà que le fond plat a souffert légèrement sur les S de la piscine. Je voulais pas préciser, mais pour ce Grand Prix de Monaco, on a une nouvelle boîte et tous les éléments remis à neuf dans la voiture. Je voulais absolument pouvoir tirer un petit peu sur ces éléments. Allez, DRS, oh là là, ouais, c'est pas la folie. Mais il prend pas. Ah, le DRS qui s'est pas ouvert, aïe aïe aïe. Ah, si j'avais une roue F1, ce serait un peu plus facile. La roue d'origine du CSLDD qui me met le DRS assez loin du pouce. Et donc il y a des petits ratés. Wow, et comme ma trajectoire ici dans le casino. C'est un petit peu hors fenêtre de fonctionnement là. Ouais, j'ai été très gourmand avec le RS. Et on est dans le rythme de la Williams devant. Elle est dépassable, c'est sûr et certain. Mais dans quelles conditions? Attention aux pneus qui commencent tout doucement à souffrir. Je suis censé faire 7 tours avec ces gommes-là. Et Vettel devient très dangereux, hein. Allez, on rentre à la fin de ce tour. Et comme si on n'avait pas pris assez de dégâts, le diffuseur maintenant semble avoir été touché. On doit être patient, c'est une course d'attente. C'est pour ça que vous avez l'essentiel de ce qui se passe. 7 tours, donc avec les pneus tendres, le quota est respecté. Si les choses restent en l'état, à deux doigts de tirer sur un stint de plus avec ces pneus-là. Un tour de plus, pardon, sur ce stint. Désolé, je suis très concentré pour essayer de garder la voiture en piste, littéralement. On en est à ce niveau-là, hein, de tracas, tenir la voiture en piste. Parce que certains vont déjà opter pour la pit lane. Attention derrière, ça chauffe avec l'Aston Martin. Le tour supplémentaire en pneus tendres. On va freiner du monde devant nous. Hein. À la régulière, Verstappen qui est rentré. Le leader qui va être retenu littéralement par Vettel et par moi-même. Il avait une Ferrari dans ses diffuseurs. Et on va rentrer nous à la fin de ce 8e tour. On aura été un peu plus loin en espérant peut-être une éventuelle voiture de sécurité qui ne sera pas venue. Allez, les pneus sont dans un état considérablement usé là, 40% à l'arrière. Je peux à peine tenir Vettel derrière moi. On est à l'arrêt hein, par rapport au chrono moyen de la voiture.
Il y a encore une Ferrari dans la voie des stands et on va plonger, nous, à droite toute. Et on respecte les 60 km/h. Vettel dans nos échappements. Il faut absolument qu'on fasse un très bon arrêt. Ça rentre aussi, je pense, derrière pour Ocon. Allez, on est la dernière voiture et Théo Pourchaire qui arrive derrière. Et on est reparti juste devant Sébastien Vettel et Théo Pourchaire. Il faut vraiment qu'on débloque. Vraiment qu'on débloque la sortie des stands en automatique. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça a été mis depuis la dernière mise à jour. Ça fait 2-3 Grands Prix qu'on l'a subi. Alors on ressort 13ème derrière Albon et Russell, mais avec des médiums qui ont un tour. Attention, drapeau jaune à la chicane. Drapeau jaune à la chicane. Il y a une voiture qui est arrêtée à la sortie de la chicane du port. Je ne sais pas qui c'est. Oh, si ça peut nous mettre un safety car, on peut peut-être relancer la course. On n'a plus du tout de frein. Les pneus sont des glaçons là sur la piste. On a récupéré un petit peu de RS. On va pas l'utiliser tout de suite au cas où il y a voiture de sécurité. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, la voiture qui était arrêtée ici, le long du port, a l'air d'être repartie. En tout cas, il y avait drapeau jaune, ça c'est certain. Et Vettel qui nous met une pression de tous les instants. Visiblement, son Aston a un peu plus facilement mis les pneus en température. Faut surtout pas qu'il vienne nous toucher. Hein. On en a déjà fait les frais à Barcelone. Derrière, il y a la, derrière Vettel, il y a qui? Il y a Latifi. Je ne sais pas s'il y avait des pilotes en médium. Vettel y va! Vettel y va dans Sainte des votes, incroyable! Il est fou. On n'est pas si lent que ça quand même. C'est pas le fond plat qui met la voiture dans une situation pareille. Oh là là, on va devoir défendre les amis pendant 10 tours comme si on était... au volant d'une Formule 2, mais j'ai pas l'impression d'être vraiment à l'arrêt par rapport à ce que je produisais comme tour en début de Grand Prix sans les dégâts. Parce que c'est juste les pneus médiums qui créent ça. Il y a vraiment un bouchon derrière, je suis désolé. Je déteste quand ça se passe dans ces situations-là, mais le train Formule France... Ouais, je sais qu'on a des dégâts au fond plat, mais quand même, pas au point de se tracasser tant que ça. Il semblerait que si, visiblement... Peut-être sous-estimer l'état de dégâts de la voiture. Donc derrière, on a derrière nous bloqué pas mal de monde. Et retour pour Verstappen qui est sur une autre planète avec Perez derrière lui et les deux Ferrari qui suivent. C'est juste absolument dingue ce qui est en train de se passer. Alors on reprend un petit peu d'air par rapport à Vettel. Et son DRS. C'est fou, c'est fou. On était vraiment arrêtés. Allez, s'il vous plaît, un petit fait de course pour relancer l'action, là. Ce serait vraiment le moment de relancer tout ça. Et puis surtout, ça nous permettrait de recoller à Albon et Russell qui sont bien loin. Un bon arrêt en plus, donc on peut même pas dire qu'on n'a pas ravitaillé comme il le fallait. Très surprenant cette perte de performance avec oui, le fond plat abîmé, mais quand même, j'ai l'impression que je tournais mieux avec des médiums avec des tendres usés qu'avec des médiums neufs. Alors Perez, meilleur tour, il était deuxième le Mexicain. Secondes 8 de retard sur Albon, c'est un gouffre. Hein. C'est énormissime. Pourtant, on a un rythme. Je suis désolé, je maintiens cet argument, mais par rapport à Vettel, en tout cas, on a un rythme, on se défend. Cette dixième. 6 secondes 1 d'avance sur Théo Pourchaire qui est encore derrière, mais sincèrement, pas ridicule, hein. La voiture tourne correctement, elle est pilotable, elle est chaude maintenant avec des gommes adaptées.
Je sais pas, je comprends pas comment Vettel peut être à ce point au-dessus de nous en plus des dégâts du fond plat. Guan Yu Zhou dans les stands avec l'Alfa Romeo, on récupère une position. On est 12e. Il est parti en médium, le chinois, je suis pas certain. C'est peut-être un deuxième arrêt. Il n'était pas dans le plan de marche de l'équipe Alpha. J'ai pas croisé Fred Vasseur, je peux pas vous dire si oui ou non. C'était dans la strat. Regardez, ça va, on tient, on n'est pas non plus en train de freiner tout le monde. Ça a été le cas pendant deux tours, hein, faut être honnête, mais là, ça va un peu mieux. Écoutez, encore deux défaillances et on est dans les points. Je sais que c'est bien difficile à imaginer, mais écoutez, why not, hein. La magie de Monaco peut-elle opérer ? Pour l'instant, seules deux voitures manquent à l'appel, ce qui est particulièrement honorable comme quota, étant donné les circonstances. Alors, il faut que si safety car il y a, ce ne soit pas après le 15e tour, sinon le temps de regrouper tout le monde et de relancer la course, on ne pourra pas en profiter. On resterait bloqué à cette 12e position, ce qui globalement, étant donné l'état de R&D et de performance de la monoplace, serait une performance relativement honorable. On aura toujours fait plus de points qu'Alain Prost la première année d'Alain Prost en tant que chef d'équipe après avoir repris Ligier avec Prost Grand Prix. Moi, nous, on ne s'est pas cassé les jambes. Et c'est pas fini avec Vettel. Hein. 11 secondes d'avance pour Albon. Il est vite, hein. Il est très très vite Vettel. Merci à la radio de toujours me soutenir et d'être présent quand ça ne va pas. On avait bien remarqué que nos rétros étaient particulièrement vêtus de vert. Oh. Parvient quand même à se défendre. Hein. C'est dans le secteur 1 qu'on est vraiment en délicatesse. Hop ! Eh ben voilà, fallait bien que ça passe. Un freinage loupé à la chicane. Un petit peu trop tard. Et Vettel n'a pas forcément perdu de terrain. Hein. On surveille ces médiums qui tourne depuis 5 bons tours maintenant, même plus, hein, 7 tours. C'est ici, voilà, c'est dans la montée vraiment que Vettel est une dangerosité. Il faut juste pas qu'il vienne nous toucher. Je suis désolé, j'ai cette hantise depuis Barcelone. De se faire piéger. Allez, ça repart une nouvelle fois dans le tunnel. Essayez de pas être trop gourmand en ERS tant que ça n'est pas véritablement nécessaire. Je sauve les quelques pourcents qu'il peut me rester.
Voilà, là, il faut plus qu'il y ait de safety car. On ne pourrait pas en profiter. Il va rester 4 tours avant le drapeau à damier. 5 tours de carburant disponibles, donc on aura de la marge. On perd 2 secondes hein, par rapport au dernier point. Il y a 2 tours, donc une seconde au tour moins vite que la voiture d'Alexander Albon. Allez, cette 12e place. On y est presque, hein, les amis. Il faut être patient, vous comme moi. Il faut développer l'auto. Il faut qu'elle apprenne à s'exprimer sur certains tracés. Qu'on la comprenne aussi. Ça viendra. Ah, on a eu nos premiers points dès la 2e course, mais depuis... On a vécu quelques expériences tout de même sur les derniers Grands Prix. Je donne tout, mais tout, pour rester sur la piste et ne pas en faire ce qu'il faut de trop. Et on est 6 secondes devant, devant Théo Pourchaire. On est encore une fois pas loin. Et devant nous, il y a une voiture qui est celle qui est juste au-dessus de nous au niveau de la performance et de la R&D. C'est la Williams d'Albon. Donc franchement, on n'est pas en train de voler un résultat par rapport à Théo ou par rapport aux performances de la voiture. Est-ce qu'on se bat avec les voitures qui gravitent autour de nous au niveau de la performance globale du championnat? Donc on est aux portes des points, mais comme Williams, comme Aston Martin, mais eux prennent ces points. En tout cas là, Albon n'en prendra pas puisque Russell va les prendre, alors que Russell partait derrière nous hein. Mercedes de Russell était 16ème, il va mettre top 10. C'est quand même assez hallucinant. 14 secondes 4 d'avance devant nous. On n'aura pas eu un DRS dans la deuxième moitié de course. Il reste 2 tours. On va les faire ensemble dans la concentration. On va pas dire la douleur parce que ça va. Et dans la peur de se faire manger tout cru par Vettel. Ah, désolé Sébastien, nous on n'est pas bio hein, là. Trois tours de carburant, on va être très bon sur l'énergie restante. On va aller rechercher Alain Prost hein, comme équipier, c'est pas possible. Allez, allez, allez. Au niveau des gommes, j'ai le sentiment que ça va. Ouais, pas d'usure au niveau des pneumatiques. Par contre, c'est vrai que voilà, le fond plat a morflé. 27% sur le pneu arrière. C'est vrai qu'on a fait un tour de plus avec les tendres en espérant peut-être avoir une neutralisation de l'épreuve qui n'est pas arrivée. Et on va attaquer le dernier tour. Et on aura, je pense, mérité de boire une bonne rasade d'eau fraîche. Le champagne, c'est pas encore pour nous. Et Vettel qui nous aura mis une pression de tous les diables. Il a tenté plusieurs fois de passer. Hein. Surtout à la sortie des stands où il y avait une différence infime entre nos deux monoplaces. Et on passe l'épingle. Assez facilement, assez rapidement même. Encore. Allez. Sergio Pérez qui a donc remporté ce Grand Prix de Monaco devant, je crois, son équipier. Ah, moins qu'on ait vu Verstappen dans le mur tout à l'heure. Ouf.
Oh non, 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 Sébastien, pas maintenant! Oh là 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 là, juste avant le bureau de tabac, Vettel qui est venu à notre hauteur. Sans aucune prétention, c'est pas du Mansell Senna. Hein. Le blocage que je viens de lui mettre. Jusque dans les dernières secondes, Vettel qui va être la menace. On a gardé un petit peu de RS pour se protéger à la dernière relance. Et on va signer une 12e position. Oh, sur la ligne, Vettel. Oh là 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 là. Que c'était chaud. Un nouveau Grand Prix de Monaco touche à sa fin et nous allons pouvoir reprendre notre souffle après avoir regardé les pilotes s'affronter entre les rails. Félicitations aux vainqueurs pour ce podium des plus mérités. À votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité et régulier, des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Bien les amis, un week-end rempli pour Red Bull avec quasiment tous les succès possibles. Si ce n'est que Perez a dépassé Verstappen. Ferrari est derrière, belle performance de Bottas sur l'Alpha qui nous met en grande difficulté au niveau du classement. Également Magnussen, 7ème. Là aussi bien joué, Russell qui prend des points en partant 16ème. Félicitations, il aurait pu être driver of the day si vous voulez mon avis. Nous on finit 12ème, on a pris deux positions, ce qui dans l'ensemble n'est pas immonde à Monaco. On n'a pas mis la voiture dans le mur non plus. On termine surtout au niveau du classement devant Esteban Ocon, ce qui n'est pas plus mal au niveau de notre lutte puisqu'on avait 3 points contre lui qui en avait 6. Donc on ne met pas d'unité dans le classement mais on fait quand même une belle affaire au niveau du général. Devant, les deux pilotes Red Bull reviennent à 15 points de Charles Leclerc. Nous on reste toujours 15e et pas de changement avec Théo qui ferme la marche toujours dans le classement. Constructeur Williams qui passe devant Aston Martin, toujours avec 0 points, mais c'est vrai que Williams a l'air un peu plus performante que ses dernières courses. Alors voyons les activités, on va travailler un petit peu sur l'activité d'équipe. Département aéro, oui on peut le faire travailler, on avait ici donc les 3 jours, il nous en reste 2. Une promo pilote, une publicité, écoutez on va faire muscler un petit peu la météo. Ça c'est pas mal. Au niveau des infrastructures, bon 2,2 millions, on sait qu'on arrive proche du mois de juillet où il va falloir renouveler notre équipe et on va rester là. Pas de R&D en cours hein, pour le moment, donc on n'a rien, donc on va pouvoir lancer de l'aéro. Morale normale chez un petit peu tout le monde. Ouais, c'est potentiel de développement, c'est vrai que l'aéro est en bonne forme. On va essayer de voir si du côté de la chaîne motrice, voilà, on a débloqué d'autres améliorations. 1000 points pour celle-ci, 550, on va essayer de ne pas consommer trop d'unités. Ah, oui, une par département comme d'habitude. Au niveau aéro... On a terminé certaines choses, on a le droit à des améliorations pas chères. Écoutez, on fait les soldes, hein, on va être honnête. Au niveau de la fiabilité, on a débloqué aussi quelques éléments peut-être, 1200 points, des éléments très chers ici. Peut-être pas dépenser là-dedans. Au niveau du châssis, des nouveaux éléments, est-ce qu'on a des éléments moins chers peut-être? 600 et 600, on ne pourra pas, donc on va peut-être évoluer... ah pardon, oui il manque des points, désolé, j'avais pas vu ça. Au niveau des amortisseurs, au niveau du stockage de l'énergie, allez on va travailler là-dessus aussi. Donc on a lancé de la R&D pour 3 secteurs, pas en fiabilité, c'est pas grave. Au niveau des infrastructures, écoutez, on va faire pas mal d'aéro, donc peut-être que le délai de fabrication réduit en tout cas. On peut améliorer certaines choses, 1,5 million au niveau du délai de fabrication.
C'est vrai que le contrôle qualité est important. Le délai de fabrication pour les pièces qu'on a, ce serait intéressant que ce soit un peu plus court quand même. Hein. Faudrait qu'on dépense 1,5 million là-dedans. Allez, on va le faire au niveau de l'aéro, puisqu'on fait quand même pas mal de choses. On va accélérer le temps, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des finances, parce qu'on doit voilà, toujours renouveler le deuxième pilote et les ressources qui doivent rentrer pour le mois de juillet, hein, pour le 12 juillet. On a bien reçu les nouvelles pièces de l'usine. Elles vont être intégrées à la voiture avant le début du prochain week-end. Alors, on est bon au niveau des infrastructures et de la R&D. Voilà, bah écoutez, on a repris un petit peu de retard, mais on a toujours de la R&D en cours. Et au niveau de l'organisation, bah, on aimerait bien débloquer ce deuxième sponsor au niveau 10. On n'est pas loin, on est niveau 9, évidemment. Maintenant, au niveau des contrats, il nous faut 1,5 million pour le salaire de Théo. Je vous avoue que si on commence à acheter un petit coup d'œil au marché des pilotes, voilà, il y a Alain Prost qui coûte 8 millions, mais qui bon, serait quand même un bon investissement si on veut garder le côté français. Sinon, Pierre Gasly, hein, qui est toujours à surveiller. Et éventuellement, bah, notre rival, l'ami Esteban Ocon, 6 millions, ça fait cher quand même. Est-ce que par rapport à Théo Pourchaire, avec plus cher, on pourrait éventuellement aller chercher un autre pilote, ou Oscar Piastri, peut-être qu'il n'a pas de contrat. Mais on serait en tout cas en deçà en termes de performance par rapport aux pilotes qui sont dans le pool actuel. Écoutez, on va se retrouver sur un Grand Prix qui sera très intéressant en termes de performance. Ce sera le Grand Prix de Bakou, le Grand Prix d'Azerbaïdjan. D'ici là, merci eh bien, de follow la chaîne, de vous abonner et de laisser un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter les épisodes de My Team. J'aime toujours lire vos retours et eh bien, faire en conséquence. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et cette course très tendue sur le circuit de Monaco. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. À la prochaine. Ciao !